Fais le plein de nouveautés 2019 sur Motor Live. T'as vu, alors là on est sur Royal Enfield. Ils sont en train de faire un carnage. Et on a une super info. C'est vrai, on a les prix. De l'Intercepteur et de la Continental GT. Tiens, j'ai le droit de monter. Pardon, excusez-moi. J'ai le droit de monter ou pas? Bah écoute, tu l'as pris le droit. Bah écoute, non mais je vais le faire aussi moi. Tiens, tu m'aides? Tiens, Bully. Eh ben on est devant. Donc, Continental alors, GT. Continental GT, combien? Et Intercepteur. Combien? Non, combien? D'abord l'entrée de gamme. Intercepteur, 650. 6400 euros. 6400 euros. C'est pas cher. C'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. Si c'est cher tout pour ça, mais de gamme. Non, mais non, mais si, alors, on va encore on me dire que je dis que c'est pas cher. Non, mais là c'est pas cher, Eric. Vraiment c'est pas cher. Ah bon, alors et là, même c'est en Continental GT, t'es à 6600 euros. Tu te rends compte? Ils font, non, mais non, ils vont c'est super agressif ils vont hein, de la part d'Envoyer. Je pense que là il y a une vingtaine de containers qui arrivent. Ils vont cartonner. Et il y a un autre truc qui est sympa sur le stand Royal, ouais, qu'il faut qu'on vous montre, c'est la KX. Oh là 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 là. Alors, c'est ça, certains les gars vont dire, ah, mais ils nous présentent un nouveau moteur, c'est ça? Non, 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 c'est pas du tout ça, les gars. Moi j'ai vu les designers, on les a vus tout à l'heure, et ils nous ont expliqué que c'était surtout en fait un produit. Pour montrer leur savoir-faire en termes de design et pour montrer que le design européen avec l'usine indienne marche très bien et ils sont en phase pour faire tout ce genre de produits avec des innovations hallucinantes. T'as vu l'amortisseur là? Ouais, carrément. Derrière, t'as vu l'amortisseur le bras, sous là, la serre. Le bras côté, qui est magnifique là, ici. Et cette fourche. Et cette fourche aussi. En trapèze là, magnifique. Enfin, c'est un concept, c'est pas un prototype, ça en roule. Parallélogramme, pardon, pas trapèze. Et ce moteur bicylindre 838, alors il sort d'où hein? Je vous invite à aller voir notre petit article sur motoservice.com. Par contre, il faut vous qu'on en vous dise plus d'informations. Il faut qu'on vous dise autre chose. Le designer de la moto, il est français. Il est là-bas. Il est là. Il est là-bas. C'est ce monsieur là. C'est lui. C'est ce monsieur. C'est à lui qu'on doit cette moto. Il faut quand même Bravo, le dire. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Et en plus, il nous regarde quasiment tous les jours. C'est moi, vrai, je regarde tous les jours, les gars. Voilà. Des frissons partout là. C'est vrai. Ah ouais. Attends. Moi aussi je suis ému quand je vois ce que tu as dessiné, moi aussi je suis ému. Franchement c'est magnifique, bravo à toi. Voilà, c'est parti. La KX. C'est cool hein, bah, allez, on change de stand. On allait partir de chez Royal Enfield et quelque chose me dit que Mehdi est encore tombé amoureux. Bon, faut dire il y a des raisons objectivement, hein. Mais qu'est-ce que c'est encore que ça quoi? Ça vient de Taipei, mon ami. De Taipei, c'est un designer de Taipei. Un préparateur. Là, on est dans le custom. Hein. Non, mais t'as vu ça? C'est du Öhlins, du Brembo, du Behringer. Du carbone. Des... Non, mais c'est magnifique, quoi. Bon, nous, on aime. Bah, hey, nous, on aime. Hein. On va pas nous, vous dire. On aime grave. Non, bon. Mais vous, est-ce que vous aimez? Ça, c'est la question. Vous nous le dites hein, dans les commentaires. N'hésitez pas, surtout. Hein. Non, mais tu sais qu'il faut pas qu'on traîne, hein, parce qu'il reste encore plein de trucs. Hein. C'est incroyable ce mais salon. C'est pas possible. Mais on n'en a jamais possible. Fini avec ce salon. Oh, tu sais, j'ai l'impression que c'est le 25 décembre depuis 4 jours en fait. Je te jure. Et le Père Noël, il fait une OP spéciale. Hey, l'ECMA, c'est Noël. Hein c'est dingue. L'ECMA, c'est Noël. T'as vu là derrière, c'était Rizoma. Ouais, en compte, toutes les bécanes qu'il y avait sur leur stand, comme elles sont belles. Oh, il y a d'autres trucs là-bas. Oh, on y va? Génial, vas-y. Tout le monde reste calme. On est là quand même pour parler de cette nouvelle HDSX SE+. Pourquoi? Parce qu'il y a de la suspension pilotée maintenant sur cette petite moto qui fait toujours 210 chevaux quand même. C'est toujours bon à savoir. Et alors attention, sur cette SE+, il y a une peinture ici. J'ai presque envie de le tenter quoi. Ah. C'est une peinture, quand il y a des rayures, elle est auto-régénératrice. C'est-à-dire qu'en fait, elle se répare toute seule. Non, mais t'y crois, franchement? J'y crois pas. Moi, je pense que on essaye. Un coup de clé?
Non. En tout cas, non, elle n'est pas autogénératrice. Non, écoute, elle serait pas. Elle est bien. Auto-génératrice ? Non, mais c'est une toute elle nouvelle. Elle est sympa. Elle est sympa. J'imagine qu'avec les suspensions pilotées, ça va être encore mieux. Ça envoie toujours autant de nouveautés. Elles sont toutes là. Regarde, Z400. Tu te rappelles de la Ninja 400 ? Ah ouais, ça y est. On a essayé l'année dernière. On en était sûr. On l'avait pas dit qu'il y aurait une Z400 ? Et ben là, maintenant, t'as le Roadster. Tada ! Et ben voilà, le Roadster. Elle est là. C'est chouette, magnifique. Hein ? Donc, c'est la même base que la Ninja 400. C'est la même base que la Ninja 400. J'ai cherché quelques petites infos. Treillis tubulaire, exactement. Voilà. Bicylindre parallèle, mon ami. Toujours au niveau puissance, là, c'est pareil. Ça n'a pas changé. On est bien. On est bien parce qu'on est. Non, on est à 45 chevaux. On est 34 kW, tu voulais dire, ouais. C'était ça. Ouais. On est à 45 chevaux. On est presque aux limites du A2. Ouais. Mais bon, un petit Roadster sympa. Mais on est à qui va sortir en plus pas très cher, mon ami, parce qu'il va être vendu moins de 5 700 €. Là, on est quand même sur du primo accédant. C'est du A2. On a une faible hauteur de selle. T'es à 780 mm. Voilà. Et puis, connaissance moteur. Et comme il était sympa sur la sportive, la Ninja 400, je sens que ça va être très efficace comme petite bécane. Oui. Ah, alors grosse nouveauté cette année. Ah ouais, grosse ça. Nouveauté. Mais il y en a une autre. Vous allez voir un petit peu plus tard, il y en a une autre. Donc là, nouveau Versys 1000. Avec un design encore plus novateur. Et notamment, alors il y a deux versions sur la Versys 1000. Ouais. Là aussi, il y a une SE. Ouais. Et donc, la SE, évidemment, hérite aussi des suspensions pilotées. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal sur une Versys 1000, je trouve. À moins de 17 000 euros, pardon. À moins de 17 000 euros, tu as raison. Et là, ce que vous pouvez quand même constater, moi, je trouve que c'est quand même c'est pas mal, je trouve. C'est les petits feux directionnels. Non, oui, qui s'allument en virage. Ça s'allume en virage. Avec ton inclinaison, tu as une lampe, deux lampes ou trois lampes. Lampes en fonction de l'inclinaison, ouais, ça 20, éclaire 30, l'intérieur 40, du virage. Faut voir le degré. Est-ce que j'ai le droit de faire l'hôtesse ? Oh là là, mais il est fou. Moi, je pense que j'ai le droit de faire l'hôtesse. Bon, mais attends. T'es super haut là, Eric. Bonsoir. Bonsoir. Je suis moins joli qu'elle, hein, mais franchement, c'est pas mal. Oh, bon, dis donc. Il y a un joli compteur TFT. Ça a changé. Ça, magnifique. Ça a changé. Tu vois, ça, c'est quand même plutôt bien. Assez inspiré, justement, de ce qui se fait sur H2 aussi, sur la gamme. C'est joli. Moi, je retrouve quand même ce qu'on connaissait déjà en termes de position de conduite et tout. On est là. Je trouve que ce qu'il y a d'important aussi, c'est qu'il y a une centrale IMU qui débarque dessus. Centrale IMU, tu sais, avec… Du coup, tu as l'ABS en virage et tout c'est ça. C'est ça, c'est ça. Avec les control. Six axes. Traction control, évidemment. Évidemment. Le top de l'électronique chez eux. Et accessoirement, elle est passée à 120 chevaux, les amis. Ouais, ouais. Donc c'est 14 de plus, je crois, que l'ancienne. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu descends quand, mon beau Roméo ? Oh, j'arrive. Roméo. J'arrive. Allez, viens, attends, on a d'autres trucs à faire. Non, mais j'ai peur de tomber. Ça fait vachement haut. T'as fait le caca. Et en plus, t'as pas les talons de la demoiselle, toi. Est-ce que tu veux voir ce que ça fait quand je te fais une roulade ou... Vas-y. Eh ben voilà. Allez, on y va. Existe en orange. Bah elle est où la W800 ? Bah je sais pas, je la cherche partout moi aussi. Ah, elles sont pas encore arrivées ? Je crois que c'est ça en fin de compte, la production est pas encore lancée. Il va falloir attendre un petit peu. Ouais. On est chez les classiques mais la W800 revient. Mais elles sont déjà en photo sur Motoservice en attendant. Moi, je dis avec ça, des infos rien, aussi. Avec des infos parce qu'on nous annonce quand même 90% de nouvelles pièces sur cette nouvelle W800 dont le tarif devrait friser les 10 000 euros. 10 000 euros. Ça va finir par être une habitude. Tu te rappelles à Paris ? Oh non, la revanche de Rico ! La revanche de Rico ! T'étais pas concentré. J'étais pas. C'est toi qui as les balles, mon ami. Ah, c'est moi qui ai les balles. Ouais. T'étais pas concentré. Allez, c'est parti. Je t'avais mis combien ? 12-0 à Paris ? Quoi ? Non ! Attends, je t'en remets un deuxième. Mais regarde ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais il a des pieds en bois, mon gars. Mais ça va pas, ça, attends. Vas-y, je t'en remets ça encore. Allez, vas-y, tiens, je te donne une chance. Mais là, jette pas en arrière. Ah, c'est un truc de fou. T'es mort. Il n'y a rien à faire, envoie la pub, ouais, il est trop fort. La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bon, et tu sais qu'on est toujours à la recherche de Philippe, les amis. On est à la recherche de Philippe, qui, j'ai bien l'impression, se trouve ici. Tout à chez Longchin. Tu te rends compte ? La coïncidence ? Longchin. Ouais, la chez coïncidence. Longchin. Hey, ça va ? Tu t'éclates ? Non, ouais, parce que alors figure-toi que moi sur ce salon, la Chine c'est ma grande passion et comme j'ai une âme d'enfant, j'étais en train de jouer avec les couleurs du tableau c'est de cool. bord. Ah, c'est donc là, figure-toi que je suis sur une Longchin 500. Ah, c'est 500, 10 cylindres en ligne. Ça va arriver courant
2019 à 5 995 euros, donc un peu moins de 6 000. Alors, ouais, tu vas me dire, l'écart avec une référence japonaise n'est pas non plus complètement délirant. Mais là, je vais te répondre qu'une moto, il faut bien choisir. C'est un peu comme les implants mammaires. La qualité a un prix, c'est-à-dire que… mais si, mais parfaitement. Quand ça explose… Non, mais on est à Milan, hein, c'est normal. Quand ça explose, ça fait mal. Donc, la qualité a un prix. Et du coup, là-dessus, tu as injection Bosch. ABS Bosch, des freins Nissin, ouais, des leviers réglables, un tableau de bord complet, une prise USB. Donc on est un peu sur un niveau de qualité, hein, qui beau, est hein, éloigné de ce qu'on avait l'habitude d'associer aux productions chinoises. Au niveau look, on est effectivement sur quelque chose qui ressemble, vous voyez, à une CB500. Mais moi j'aime bien, c'est une moto fine. Ouais. T'es bien dessus, guidon cintre plat. Moi je vois une italienne aussi, de, hein, ouais, presque avec de, les LED et tout, quoi, et à l'arrière aussi. Limite, tu vois. Non, mais les gars, on voit un peu de tout. Moi ce que je vois, c'est une moto qui est plutôt pas mal. On pourrait imaginer effectivement avec n'importe quelle marque dessus, ça le fait quand même. Ça passe complètement. Ça passe, ouais, c'est classe, voilà, ça va bien. Est-ce que toi, tu es vendu avec? Moi, je suis en supplément, mais tu sais, la presse moto étant ce qu'elle est, c'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Vous avez remarqué, et là, la c'est sobriété un petit… de la déco, ouais. On n'est pas sur un truc clinquant, non, non, c'est pas, il n'y a pas les dragons rouges comme avant sur les motos chinoises. Là, c'est du 300. Donc pareil, tu as remarqué, fourche inversée, bon niveau d'équipement, pneu Pirelli. D'accord. 29 chevaux, c'est pas mal pour un mono 300. C'est un mono, ça? Ouais, c'est un mono. L'autre, c'est un twin. Et surtout, c'est le prix, c'est-à-dire que… C'est quoi le prix? Bah, le prix, on est à moins. On est à moins de 3 900 euros. Ah, ils montent derrière toi. Tu vois, 3 900 euros, t'as quand même… Je te préviens. Attention. On va le top case. Oh, le top case. j'ai un sacré top case. Non, mais hey, les gars, vous êtes dessus, vous voyez pas ce que je vois, moi. Parce que moi, je vois une belle finition des plastiques façon carbone. Ça, je trouve ça chouette. Voilà. Et ça freine sur… Et puis encore, ce tableau de bord hyper complet, digital, poignée de maintien. Et puis derrière, il y a la sportive, qui a un look de petite panigalée, qui est quand même… Ouais, moi j'aime je bien. Je veux voir ça. Tu vois cet avant très effilé avec les LED. Alors on va vous montrer ça juste mais ici. Justement, elle attire les foules. Elle attire les foules. On va dire, pardon va messieurs, de désolé. Squeezie. Voilà. Regarde-moi ce train avant. Tu vois. Et là, c'est vachement effilé. Tu te mets dessus, toc. C'est superbe. Tu vois, pareil, fourche inversée. Alors là, la calvitie ressort quand t'es comme ça, mais tu vas pas être plus vite. Baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. Baisse la tête. Et ça, au niveau prix, dites-moi, faites-moi une offre, Maryse. On est dans les 4000 encore. Non, si on est à moins de 5000, c'est bien. Ben largement, on est à moins de 4002. Ah ouais? Non, enfin, c'est des prix qui sont pas encore complètement définis, mais on est dans les 4000. On sera dans cette fourchette-là. On est dans les 4000. À peu près 4002, 4003. Encore une fois, 29 chevaux, donc ça prend un vrai 140 chrono. Et tu vois? Pour le réseau secondaire, c'est parfait, c'est bien équipé. C'est là où j'aime mon métier, parce qu'on va avoir la chance de les essayer assez rapidement, finalement. Et vous dire et vous faire un retour sur cette nouvelle marque. Longines ou Vogue, on ne sait pas encore trop comment ça va s'appeler en France. La domination n'est pas définie Vogue encore. Vogue ou Vogue, Vogue, Vogue. Combien vous en mettez? Parce qu'on les a par pack de 6 ou par pack de 12. Hein. De 6 containers. Containers. Non, mais c'est cool. Voilà. Moi, je sais que sur ce stand, parce que c'est un gros stand, il y a plusieurs marques, je crois qu'il y a de l'électrique à côté. Moi, j'aimerais bien qu'on y aille. On va voir. Allez, c'est parti. Alors on va voir les... Je peux monter dessus? Non, c'est moi. Non, moi j'adore l'électrique. Bah, c'est moi. C'est quand même moi qui suis tombé le plus en panne la semaine dernière en électrique, tu vois. On est pas mal. On est pas mal. Et alors, il y a un truc intéressant, c'est que je vois des vitesses là. Oui. Donc c'est une moto électrique à vitesse. 5 vitesses. 5 vitesses. C'est une première. Donc ça doit tartiner. Tu sais l'intérêt. Mais l'intérêt, c'est que quand tu as 125 kg et que tu as 5 vitesses avec de l'électrique et un couple de malades, résultat, ça veut dire c'est une vraie petite crosse, quoi. Là, t'envoies la purée, tu fais du surtout que ça a l'air léger. Tu rigoles, tu t'amuses, là, tu peux t'éclater avec ça, quoi. Ça, c'est tout nouveau, Gringer. Ouais. Et on a dans les 125 km d'autonomie. Ah ouais, c'est bien. Ouais, alors, tu sais comment c'est l'autonomie sur les électriques. Tu retires la TVA, tu retires 20%, tu retires pas mal, mais parce que ça dépend comment tu voilà, mais ça dépend comment tu roules. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve ça chouette. C'est léger, c'est sympa. Une idée du prix? Écoute, pour j'avais entendu une fourchette entre 7 et 8 000. Ce qui est pas… Il est où le réservoir? Non, je voulais voir si vous suivez. Tiens, c'est pas le tout, il y a les petites mini-motos. Ça, c'est rigolo comme tout, c'est vraiment sympa. C'est cool, ça. J'ai même pas pu réagir sur l'histoire. Vas-y, monte, n'hésite pas. Ouais. Eric, tu montes derrière? Ah bah bien sûr. Allez, vas-y. Mais il n'y a pas de salle derrière. Mais si, je vais m'asseoir sur le garde. Non, il n'y a personne derrière moi. Je suis tout seul, moi. T'es pas gentil, Mehdi. Donc c'est toute une gamme, en fait. Ouais, en fait, c'est toute une gamme. Donc là, on est sur deux scooters qui sont équivalents 50. D'accord. Ça, c'est le Milan qui sera sur une autonomie. Alors, on sait que les 50, t'es sur 50 km. C'est vraiment pour de l'hyper-urbain absolu. En termes de prix, comme c'est des batteries au plomb, tu vas être sur à peu près moins de 2000 euros.
Et le C1 que j'ai là, c'est des batteries au lithium, donc c'est un peu plus cher, mais c'est plus performant. D'accord. Par contre, au niveau du prix, tu montes à environ 3000, ce qui reste. Ouais, c'est tout à fait acceptable. N'oublie pas que tu as les Z pour les véhicules électriques, et si tu fais que de la ville et que tu recharges. On est dans le marché en équivalent. On est dans le marché. Avec un look sympa, j'aime. Avec un look sympa, moderne. En rondeur. Ça ressemble au petit Gogoro, non? Bah c'est très féminin. C'est très arrondi, ça, voilà. Eh, c'est beau, Philippe, c'est cool. Qui s'appelle Gringer. Tu me vois, moi, je suis Born to be Wild. Hein. Born to be Wild. Et t'as vu ce tableau de bord? Ah, c'est rigolo. C'est génial, t'as un dollar ici. Et voilà. Tel gag, c'est quand tu fais l'inspire à quelqu'un. Voilà. Tu vois, on a bien fait de te faire venir parce que tu trouves des trucs de fou. Bah oui, c'est génial, ça. Ouais, j'ai eu pas mal de trucs. Ah ben, suivez-moi. Allez, c'est par là. Hop. Ah bah tiens, regarde, Indian. Mais on connaît Indian. Oui, on connaît Indian, bien sûr qu'on connaît Indian. On connaît cette FR FTR. 1200. Bah, non mais déjà, magnifique moto, on la connaît. Ok, ouais, très bien. Ouais. Mais figure-toi que les 1200 et les 1200S, elles sont déclinées dans 4 univers maintenant. Ouais, c'est de l'accessoire. C'est de l'accessoire, oui, mais enfin regarde, ça change quand même. Regarde, là par exemple, t'as la Tracker. Ah, ça ressemble au concept. Oui, elle ressemble plus au concept. Elle est encore plus quelque part flat track dans l'âme, quoi. D'accord. On va un petit peu plus loin encore en termes de personnalisation, tu vois, avec la petite plaque de numéro et tout. Le pot Akrapovic. Après, on va trouver la rallye. Ah, la rallye. La rallye. Alors, tu vois, la rallye, elle a les petits pneus à crampons qui vont bien. Petite plaque, tu sais, de phare, là. Ouais. Plutôt sympa. Masque de phare, tu vois. Enfin, bon, la casquette. Tête de fourche, quoi. Tête de fourche. Non, mais toi, voilà. Tête de fourche. Bon, voilà, tu vois, elle est, c'est pareil. Celle-là, fait un petit peu. Alors là, moi, je trouve que celle-là fait un petit peu plus scrambler. Non, c'est vrai, finalement, c'est ça. Là, on est plus sur du tracker un peu sportif. La scrambler, on traverse la pampa, les dunes. Aussi. Moi, il y en a une qui va me plaire. Il y en a une qui va bien me plaire. Regarde-moi le travail. Ça, c'est la sport. La sport qui sort. Regarde-moi comme ça. Le truc, c'est quasiment fou. Du carbone de partout. Ah, mais c'est intelligent. Bien sûr, c'est intelligent parce que quelque part, tu sais, les gens aiment bien personnaliser. Ouais. Et finalement, bah là, ils proposent des personnalisations déjà. Ouais. Avec des vrais univers. Tu vois, sur la base d'une FTR 1200, ils arrivent quand même à proposer des univers qui sont vachement différents. Ça rigole pas. Hein. T'as du matos, hein. Les médecins de Brembo, là. Waouh. Ouais, non, ça, c'est du lourd. Et puis, bah là, bon, c'est peut-être la plus baroudeuse, finalement. La plus voyageuse, en tout cas. Ouais. Tu vois. Parce que là, t'as la Tourer. Ouais. Et la Tourer, tu vois, elle est équipée par brise haut, enfin haut, moyen. Voilà, porte-paquet à l'arrière, les petites valises. Elles sont mignonnes les valises vintage. Quoi, mais t'en as qu'une? Ouais. C'est pourquoi? De l'autre côté, t'as le pouce. C'est juste tu me prends vraiment pour un rigolo des fois. Ah, mais je non, mais franchement, elle est sympa. Ce que je me demande, tu vois, c'est si elle est pas un peu plus haute. Elle a l'air. Je crois pas. Elle a l'air plus haute. Elle a l'air sensiblement plus haute. Je vais monter dessus. De toute façon, pour avoir toutes les infos hein, techniques, ouais. Bien évidemment. Motoservice.com. Elle vous y attend. Merci Philippe. Vraiment. Merci Claviateur. On est au top là. Ah, c'est bien. Hein. Bah écoute, tu vois, moi je trouve que cette marque, comme je le dis à chaque fois, elle mérite vraiment d'exploser en France. Ça change. Parce que c'est super novateur. Enfin, tu vois, ça change quoi. Ça change. Ils osent des choses. C'est chouette aujourd'hui. Vivement demain. Vivement demain. En tout cas, c'est pas là qu'on a trouvé la moto du futur. Non, bah non. Notre moto du Turfu. Elle non, pas encore. Elle est où la moto du Turfu? Il faut qu'on la trouve. Mmh. Le salon est énorme. Alors je te propose un truc. C'est peut-être ça, regarde. C'est ça la moto. Ah, c'est pas mal. C'est ça la moto du Turfu. Regarde, elle est super. C'est un tout petit truc. Ah, t'as pas l'air du tout. T'es bien là comme ça. Non, rien. Ouais, c'est. Bah attends. C'est magnifique. C'est ça l'électrique, tu vois, tu fais ce que tu veux avec l'électrique. Et t'as vu, il y a une chaîne. Tu pourrais te la mettre autour du cou. Bah ouais, c'est pareil. Regarde comme elle est petite. En mode gangsta rap, quoi. Bon, on va faire un plan, ok? Toi, tu vas par là et moi, je vais par là. Ok. Et on s'appelle. Et dès qu'on trouve, on s'appelle. Ça marche. Vous avez vu Mehdi? Je sais pas où il est, moi. On se fait une petite page de pub et puis pendant ce temps-là, je le cherche. Hein, c'est ce que je vous propose. Moi. Je crois que je l'ai trouvé. Il est là, j'en suis sûr. Allez voir. Il m'attend. Oh, Mehdi ! Yes ! Pardon. Excusez. Excuse-moi, j'étais chez Archive. Waouh. Archive, tu te rappelles ? Elles sont jolies, leurs petites. Les M64 Café Racer et la classique que Vincent avait essayé. Elles sont chouettes, hein ? Ouais, franchement, c'est joli tout plein.
Moi, j'ai vu un truc qui est pas mal aussi derrière. Là-bas derrière ? Tu vois. Ah, je te suis alors. Bonsoir, non, mademoiselle. Peut, bonsoir. Non, mais faut aller les voir, les dames. Arrête, arrête. Bonsoir. Non, mais c'est vrai que c'est de la nouveauté. Pardon. Oh, j'ai bien aimé cette petite tête que tu viens de nous faire. C'était ma tête non, de regarde, gosse. C'est ça que je voulais te montrer. Ça, c'est chouette, ça. Regarde. Oh. Mais. On dirait les chapis. C'est top, ça. On dirait un petit chapis électrique. C'est Garelli. C'est super. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Bah, je trouve ça mignon. Moi, je trouve ça mignon tout plein, quoi. Ouais, c'est mignon. Il y a une version police derrière qui arrête pas de clignoter, ah, elle me fait un peu peur. Tu crois qu'elle fait bip bip ou pas? Ouais, elle fait bip bip. Bah attends, j'ai pas arrêté de l'entendre là de la journée. Elle a appuyé sur le bouton là. Hein. Oh. On est chez Couder, parce que c'est le nouveau nom de la marque. C'est alors... fini Quadro, maintenant c'est Couder. Ah ouais? Oui. Bah ça n'empêche que c'est le vachement Couder. Oh. Et regarde un petit peu ce travail, comme ouais. C'est bien. Eh, ça c'est une belle machine, un beau proto. Mais moi ça c'est ce que j'aime, tu vois. Avec, regarde, des pneus un peu tétés sur les bords. Ouais, bah complètement. Ah, tu vois. Bon, ah, et avec les petites lamelles pour aller dans la neige. Regarde un petit peu comme c'est sympa. Depuis le départ du Quadro 4, je ne pense qu'à ça, moi. C'est une déformation. Une version qui va dans le tout-terrain, c'est ça? Mais tout à fait, mais toi, t'aimes bien la boue, toi. Mais c'est pas que j'aime bien la boue. C'est que je me dis, quitte à faire un truc qui a 4 roues, qui est hyper stable, etc., etc., autant en profiter pour aller dans la pampa. Regarde comme c'est renforcé, les protections, le réservoir additionnel qu'ils nous ont rajouté là. Et alors, les soudures, elles sont pas géniales. On voit que c'est un proto. J'aime bien, moi. J'aime bien ça, comme ça. Ouais, ça fait ok, super. Très bien. Mais enfin, ça fait pas très propre quand même. Mais sinon, regarde, franchement, claque, c'est original, quoi. Tu vois, ça change. Regarde la selle. T'as vu? Tu remarques que c'est pas un scooter. Regarde la selle. Ah, mais non, ça fait comme une moto. Mais bien sûr. C'est peut-être ça, la moto du futur, encore. C'est peut-être ça aussi, alors. Tu vois? Parce qu'on la cherche, franchement. Ouais. Ça, tu sais? Bah ouais, tiens. Et dans l'esprit? C'est un peu XADV à 4 roues. À 4 roues, ouais. Bah c'est ouais. Ça, l'idée, ouais. Mais moi, j'aime bien. Hein. Je sais pas qui me l'a soufflé, celle-là, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Franchement, c'est pas mal. Tu pars sur la Lune avec ça, sur Mars. Tiens, sur Mars. Ça, c'est pour aller sur Mars. C'est la moto du futur. C'est possible, c'est possible. Et là, elle te regarde, là. Ouais. Là, elle te regarde. On dirait une araignée. Un peu, ouais. On me fait un peu peur, la Mégale. Viens, on part. On va la laisser. On part. Salut, elle a Couder des poils qui vont pousser. Ça me fait peur. Bon, écoute, il y a tellement de trucs à voir sur ce salon. Bonjour, messieurs. J'aime bien les gens. C'est Vigipirate à l'italienne. Il s'écarte devant nous, quoi. Attention. Ah, il s'écarte, t'as vu ça? Ouais. Non, mais faut dire que bon, t'en imposes quand même. Oui, tu c'est pousses vrai. Un peu, non? Je dégage le truc. Je pousse pas mal. J'ai remarqué que tu. Je pousse mémé dans les orties en particulier. Ah oui, oui. Ouais. J'ai cru que tu poussais de la fonte, là, quand même. Oh. Okay, parce que, quand même. Et en fait, on va ensemble tous ouais, c'est ça. Jusqu'à Paris. On rentre ensemble. Non, mais c'est ensemble. Parce qu'on aime bien quand. Au niveau de la prod, ça, quand ça marche en arrière comme ça, nous on kiffe. Là, en fait, il y a un caméraman qui est en panique. Ce qui est super marrant, c'est quand t'accélères. Tu vois qu'on peut accélérer. Tu vois qu'il nous suit. Il nous suit. Mais il nous suit, comment il fait? C'est juste génial parce que ça marche, c'est incroyable. Il est même pas tombé, il est fort ce cadreur. Hey Mehdi! Mehdi, c'est la nouvelle Daytona ça? Ouais, c'est ça, c'est la nouvelle Daytona. Eh ben alors, tu vois que finalement on en a une Daytona? Mais non, c'est pas la nouvelle Daytona. C'est pas ça? Non, c'est leur moto 2. Mais c'est marqué donc, 765? Gros, oui, c'est marqué 765 parce qu'ils fournissent le moteur 765 au championnat moto 2 l'année prochaine. Voilà. Sauf que comme tu sais, dans ce championnat, t'as un fournisseur de moteur et puis après, les cadres, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on fait ce qu'on veut. Donc là, on a un ancien cadre de Daytona, mais Triumph ne relance pas la Daytona 765 aujourd'hui. Tu crois que j'ai le droit de monter dessus? Bah ouais, vas-y, prends-le le droit. C'est je te protège. Voir. Je connais très bien. Oh la vache! Je connais très bien John Triumph. Ça prend combien ça? Ça prend super cher! Là, on connaît pas exactement la puissance de ce moteur, mais on sait que ça va être quelque chose de sympathique qui va remplacer justement aujourd'hui les 4 cylindres Honda. Bon, donc ça, c'est trop cher pour moi de toute façon. Ça, non, et puis c'est intouchable, c'est de la moto de compète, tu te ferais pas plaisir comme ça. Bon, mais toi, je sais que t'aimes la pampa. Pas que ça. Moi, tu veux bien m'en parler quand même. Allez, un peu à moi, parce que moi je les ai pas vus. Je t'en parle pas plus. Ah, tu veux monter? Ah, bah moi j'y vais. Hein. Oh là là donc là. Là, t'as la XE, oh, je l'adore. C'est le haut de gamme. Elle est magnifique. Et là, t'as la version XEC qui est l'entrée de gamme. T'as plein d'éléments de finition qui sont magnifiques là-dessus, avec la fourche qui est un petit peu différente et les suspensions. Regarde les amortisseurs. Tu peux monter dessus ou pas? Amortisseurs. Tu crois que je peux monter dessus? Ouais, tu peux. Yes. J'ai le droit de monter dessus. Vas-y, j'ai le droit. Elle va être haute, hein, je pense. Hein. Ouais, alors, mais je m'en fiche. On va voir si. Alors,
Et comment je vais être bien là? Elle est haute comme Amérique quoi. Bah pas tant que ça. Ah elle est haute. Si c'est haut mais regarde, non mais regarde. Moi je touche encore. Attends, je vois pas ton deuxième pied. Il est haut ton deuxième pied? Non mais je suis sur la pointe des pieds de chaque côté. Ouais, mais ouais. Tu vois, c'est très haut. Ah ouais, c'est très haut. En fait, c'est la sensation de hauteur qui est intéressante. C'est-à-dire que tu vois, tu sens que tu as de la garde au sol, tu sens que tu as du débattement, tu sens que tu as de la largeur au niveau du guidon, tu sens que tu vas rigoler, tu sens que ça fait plaisir, tu sens que c'est la pampa. Je les serre à bientôt, c'est bientôt l'essai, ça arrive fin décembre. Et ce bleu là, j'adore. Mais il y a d'autres nouveautés, viens, je te montre. Il y a deux versions accessoirisées qui sont sympas, viens voir. C'est absolument magnifique. Et donc ça, c'est la version Scrambler de base, entrée de gamme, entrée et celle-là, t'as un petit peu plus, t'as des suspensions qui sont mieux faites, cascade. Plus de débattement. On peut faire le tour. On fait le tour, allez, viens. Ouais, on peut faire le tour, venez voir. Non, mais parce que là, en fait, t'en as qui squattent, donc c'est normal, hein, on est dans un salon, il y a beaucoup de monde dans les salons. Donc il y a deux nouvelles séries spéciales sur la base classique T120. Yeah. Celle-là, elle s'appelle T120 Diamond. C'est parce qu'elle est toute chromée là. Elle est en diamant. Non, c'est une évocation évidemment à la première bonne ville qui est née, ouais, il y a une soixantaine d'années. On a quelque chose de très classique dans l'esprit justement de cette Bonnie T120 qui en fait est une bécane moderne. Hein, tu ouais, carrément. Bah, moteur et tout, c'est quand même top quoi. Et t'as vu le petit rappel du drapeau anglais, comme ça en surimpression sur le. C'est d'une délicatesse. C'est élégant. C'est élégant, ouais. Voilà. Et c'est ça super faire, sympa, ça. Vraiment. Et je te montre l'autre déclinaison, ouais, qui est peut-être moins plus élégante, dark, mais plus brutale. Ouais, je l'ai vu déjà. Tu vois, on en profite, il n'y a personne. Donc, cette deuxième série spéciale, la T120 Ace. T120 Ace, pourquoi? Parce que j'adore le tennis. Ah ouais, je crois que t'allais me dire. Non, Ace Café, arrête. Quand même, un peu de culture. Bah, bien sûr. Avec le petit trèfle. L'histoire du café rasseur vient du Ace Café, bien sûr. Donc là, on a une ambiance dark, black. Ouais. C'est pour justement aller le samedi soir. Mais alors, si je peux me permettre, ce que je trouve rigolo, c'est que pour une moto qui fait la part belle au Ace Café, donc café rasseur, c'est pas très café rasseur. Ouais, mais non, c'est pas grave, on est dans l'hommage classique et puis ça le fait très bien, ce côté dark, tout ça. En tout cas, elle est belle. Voilà. C'est ouais, beau. Je la trouve belle. Tu vois, je trouve ça presque aussi sympa, enfin, je trouve ça même aussi sympa que la Diamond qui est très, soit claire, clinquante un petit peu. Là, t'es dans le j'ai mat. J'ai besoin de tes compétences absolues en anglais, en fin de compte, parce que je sais que t'as vécu une quinzaine d'années à Londres, bien sûr, à Buckingham. Ouais, bien sûr, à et parce qu'en fait, il y a marqué Head Down, Hold On. Ah bah non mais c'est tête baissée et tu y vas à non enfin ah, quoi. Ah tu lâches ça. Rien. Ah non, ah, tu baisses la tête et tu lâches rien. Bah ouais. Bah, c'est l'esprit Skyfair. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je te rappelle que l'histoire du café rasseur là-bas, c'était quand même de réussir à faire une certaine distance, le temps d'une chanson. Eh oui. Ah, donc il fallait quand même baisser la tête, t'auras l'air d'un champion quoi. On y va, je crois, on baisse la tête et on y va sur le prochain. Carrément à fond. Allez, vas-y, attends. À